Bonjour, c'est Gabriel pour la première vidéo de la saison. Enfin, alors pour cette première balade, j'ai choisi d'aller vous montrer les grottes de Massabielle, les grottes de Lourdes. Alors vous allez trouver ça bizarre parce que c'est déjà loin. Et j'ai le projet d'y aller effectivement dans les Pyrénées cet été. Mais en attendant, on va aller voir une copie des grottes dans les Ardennes. Puisque dans les années 1870, donc il y a bientôt 150 ans, un curé d'une paroisse dans les Ardennes, après avoir fait un voyage à Lourdes, a décidé pour ses paroissiens de construire une copie des grottes de Lourdes. Donc il a construit 18 grottes, il y a plus de 150 statues en plâtre, et chaque grotte remémore une scène de la vie de Marie. Allez, go, on est parti! Voilà, je me trouve au petit village de Corjoux, près de Rochefort, près de Ans-sur-Lesse, près de Lessive. C'est un petit village encaissé dans la vallée. Et là, en fait, nous allons voir les grottes de l'abbaye Lalou. Malheureusement, je pense qu'elles sont fermées au public, étant donné la situation sanitaire. Et ça vaut quand même la peine d'aller voir. La petite grille est fermée. Est-ce que j'oserais l'ouvrir ou pas? Allez, on y va. J'espère qu'on va pas se faire gronder. Ah, voilà, voilà. Waouh. Alors, l'écriteau dit à la mémoire de l'abbé Lalou, révérend curé de Conjoux pendant 30 ans. Grand bienfaiteur de Marie Immaculée qui a fait ériger ses grottes et combler la paroisse de bienfaits, signé les paroissiens reconnaissants en 1900. Waouh. Regardez la scène ici. Waouh. Quel jardin magnifique. On voit quand même que tout est vieux.
plus rien n'est entretenu. On va aller voir par là. Waouh, waouh. Oh, regardez. C'est Saint-Gilles. La Vierge. Quel magnifique petit jardin. Ah, ça c'est pour moi, puisque je pense que c'est quand Marie a reçu la visite de l'archange Gabriel. Voilà, je suis pas certaine qu'on pouvait rentrer. Maintenant qu'on est là, on en profite. Alors ici, encore une scène avec Marie. Là, je n'ai aucune idée de ce que c'est. Voilà. Les statues ont été cassées. En fait, chaque station, chaque grotte porte un numéro avec le thème de la grotte. Donc par exemple ici où les statues sont cassées, c'était la naissance de Jésus. Mais la plupart des titres sont recouverts de lièvre, donc on ne sait plus les lire. La naissance de Jésus. Quel endroit vraiment magnifique. Ah, je ne sais pas combien de grottes j'ai fait. Normalement, il y en a 18. La flagellation. Le couronnement d'épines. Le portement de croix. C'est amusant parce que le linceul de Turin est représenté. Ah, la mise sur la croix. Oh, j'avais jamais vu un endroit comme ça. Regardez ce que ça donne devant. L'allée avec toutes les petites grottes. Ici, on est au mystère glorieux de la résurrection.
L'ascension. La Pentecôte. Ouais, je ne m'attendais pas à tomber sur un endroit pareil. C'est vraiment magique. À part une station où les statues sont cassées, il faudrait les remettre en couleur, mais elles ne sont pas du tout abîmées. Pour des statues qui en plâtre, qui ont 150 ans, allez, on y va. Oh, c'est un hôtel. C'est vraiment la crèche, hein. Avec le bœuf, l'âne, les rois mages. Voilà, la visite s'achève. J'espère que ça vous a plu. Je vais retourner doucement vers Bruxelles. Je vous laisse quelques images de ma balade. Je vous dis à très bientôt. Surtout, n'oubliez pas de liker, de vous inscrire, c'est encore mieux. Si vous roulez, soyez très prudent sur la route. Je vous estime, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao !